au fur et à mesure de l'écriture du scénario, je me rendais compte que je faisais un travail de réunification. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, ce que je me rendais compte, c'est que ça exorcisait beaucoup, au fur et à mesure de l'écrit, ça exorcisait beaucoup de mon questionnement identitaire, de cette plaie, entre guillemets, que je portais, que je porte toujours. Mais c'est vrai que ça m'aidait. Donc il y avait ce petit côté, on dit souvent que un film ne doit pas être une thérapie pour un artiste, mais je pense que c'est faux. Je pense que ça l'est. Et franchement, c'était très thérapeutique pour moi d'écrire ce truc. Encore une fois, j'ai très mal vécu mon retour au Maroc quand je suis revenu en 2003 pour y habiter. Quand je dis je l'ai mal vécu, parce que c'est difficile de prendre un drapeau et de dire je suis là, je suis marocain, je suis marocain, j'ai cette particularité d'être d'ethnie juive, mais je suis marocain avant tout. C'est pas des choses qu'on a envie de répéter à longueur de journée. À un moment, on a envie juste d'être accepté, d'être intégré dans une société. Je pense que c'est un besoin, le besoin de l'homme, c'est de s'intégrer dans une société, puisqu'on vit en société. Voilà, encore une fois, quand je dis que j'ai mal vécu quand je suis revenu et que j'ai dû être confronté à des critiques sur mon film précédent, qui était mon premier film marocain. Ça a été un petit peu le déclencheur d'entendre tiens, mais c'est bizarre, tu t'appelles Jérôme, mais Jérôme, c'est pas un nom marocain. Ou on m'a dit que c'était canadien, franco-marocain, américain, parce que il a la nationalité américaine, c'est normal, j'ai vécu 20 ans là-bas. Ça me convenait pas comme étiquette du tout. Je suis profondément marocain jusqu'au bout des ongles. Ouais, et c'est quelque chose, c'est difficile d'expliquer avec des mots. Là, tu es devant moi, on a un micro, une caméra, donc tu as cette écoute qui est une écoute de presque de thérapeute, toi Boudéina, donc c'est beaucoup plus facile avec toi. Mais c'est pas facile de dire à quelqu'un « je suis ça ». Je suis ça. Je comprends pourquoi des gens se manifestent, se soulèvent pour réclamer une reconnaissance, quel que soit leur mandat. Je veux dire, et j'étais pas du tout dans cette, je m'inscrivais pas du tout dans cette revendication avant de revenir au Maroc. Pour moi, c'était un fait acquis. Bon, marocain, je suis marocain. Et c'est quand on, c'est marrant parce que c'est souvent comme ça, c'est quand on te met le doigt dessus et qu'on te dit, mais toi qui tu es finalement? T'es qui toi? Tu viens nous faire un film qui s'appelle Candicha, tu prends une légende marocaine, mais pour qui tu te prends? Tu es qui pour faire ça? Et c'est ce qui est, tu es qui a été le catalyseur. Ok, ben je vais te répondre à tu es qui? Voilà qui je suis. Je suis ce film-là. Je suis ce film-là, je suis tous les personnages, une fragmentation de tous les personnages. Quel qu'il soit, que ce soit Ali, que ce soit... Et c'est un petit peu mon vécu, c'est comme ça que j'ai vécu le Maroc. J'ai vécu le Maroc. Ma richesse vient de ce que les gens m'ont apporté ici au Maroc. Elle ne vient pas d'ailleurs. La personnalité que je me suis construite, ma sensibilité, mes plaies, mes déchirures, mes joies, mes peines, tout ça, ça a été nourri par le Maroc. Ce qui m'a construit, c'est mon enfance au Maroc, c'est mes souvenirs, c'est... cette enfance dorée, et quand je dis dorée, c'est pas forcément privilégié, mais dorée dans la mesure où l'échange humain primait sur tout. J'avais des amis, j'ai grandi un petit peu dans Zenkra, comme on dit, hein. J'étais jamais chez moi à la maison, et donc j'habitais la Jajma, donc c'est un quartier de Casablanca qui à l'époque était complètement voilà, vide, il y avait très peu de voitures. Et donc j'ai grandi avec Trombia, que tu vois dans le film, j'ai grandi avec la tire-boulette, j'ai grandi en mangeant Seiko, que j'ai grandi un petit peu avec une, de façon assez populaire. Et
comment tu peux expliquer ça ensuite? Tu reviens 30 ans plus tard et tu dis, voilà, ben c'est difficile à dire avec des mots. C'est difficile, on n'a pas envie de se justifier à chaque fois. Et en faisant ce film, ça m'a permis de m'exprimer tout simplement. Donc pour revenir à ta question initiale, il y avait zéro agenda politique. Tu vois ce que je veux dire? Zéro, zéro. Le seul agenda, si agenda il a existé, c'était de m'exprimer, de dire, parler de moi, d'être le plus honnête possible, me mettre tout nu, ce que je n'arrive pas à faire avec des films de genre, parce que bon, c'est totalement différent. On essaye d'être beaucoup plus dans l'exploitation, dans le côté commercial, mais voilà, donc je pense que c'est peut-être le premier film où je me mets totalement nu. Voilà. Encore une fois, moi j'ai grandi dans la rue. Et quand je dis dans la rue, c'est au sens propre. Hein. Il y avait beaucoup de terrain vague, j'avais une moto, j'étais tout le temps dans la rue. Je jouais aux pierres, on se confrontait, on était là et on avait 3 dirhams en poche, on était très contents. On n'avait besoin de rien, on rigolait tout le temps. Et je pense que j'ai pris de... Et c'est cette essence qui m'a nourri jusqu'à maintenant. J'en suis extrêmement nostalgique. D'ailleurs, régulièrement, je vais dans mon quartier, dans le quartier où j'ai grandi. Maintenant, il y a des écoles, c'est construit partout. Mais je ferme les yeux. Cette séquence que tu vois dans le film avec ce petit garçon qui rentre dans l'école et qui entend des protagonistes et qui entend les bruits d'enfants et finalement, il n'y a rien. Ce fantôme du passé, j'ai beaucoup de mal encore avec ça. Ma mère était une Marocaine dans l'âme, mon père aussi. Mon père est d'Étanger, ma mère de Marrakech. Moi, j'ai vécu à travers le regard de ma mère, j'ai pas connu mon père. J'étais tout petit quand il est décédé. Mais ma mère, j'ai vécu ma vie à travers son regard. Et le regard qu'elle portait sur ce pays, l'attachement qu'elle avait à ce pays et à notre roi. Et je veux dire, il était incommensurable. Donc. J'ai été un ami qui m'a amené à Ashdod. J'avais entendu parler d'Ashdod. On m'avait dit Ashdod, c'est Monte Carlo, c'est magnifique, c'est super. Ok, donc je vais pour visiter Ashdod. Et il y a un ami qui me dit, tu vas voir, on va aller voir un monsieur qui a vachement réussi. Il est super bien, il va adorer. Tu vas adorer lui parler. On va voir ce monsieur qui avait un commerce. Et donc, il nous reçoit super chaleureusement. Marhaba, marhaba, tout ça. Alors, et moi, je pose quelques questions. Je dis, alors, c'est comment? C'est extraordinaire. Ici, on est chez nous. On a nos trucs. Et c'est marrant parce que au bout d'une demi-heure, le type, il pleurait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très drôle. Parce qu'au début, c'est extraordinaire. Et plus tu allais dans la conversation, et plus... On parlait du Maroc et plus en fait il avait envie de dire mais qu'est-ce que je fous ici quoi. Donc ce sont des gens, beaucoup à mon avis, se sont pas jamais vraiment intégrés. Tu déracines pas un arbre et tu le plantes ailleurs. Ou alors, je veux dire, tu le fais pas sans dégâts.